C'est là où il faut être précis, c'est qu'au moment où il a posé le pied. C'est pas ce que je veux. Mais, on peut se tromper. C'est pour ça que, vous au début, vous avez le droit à 2 secondes pour pouvoir le féliciter ou le sanctionner. D'accord? Chut. Soit pour le féliciter, soit pour le sanctionner. Quand je dis sanctionner, ça peut être un chien d'un nom très beau. Mais au-delà de 2 secondes, en fait, il ne fait plus le parallèle entre l'erreur qu'il a faite et l'avertisseur qu'il vient d'avoir. C'est « Ok, j'ai fait ça. » Si vous attendez plus de 2 secondes, lui, à ce moment-là, il va se relever, il va sortir du panier, il est en train de se dire « Ah, donc je n'ai pas le droit de sortir du panier. » Ce n'est pas parce qu'il a avoué. C'est parce qu'il est en train de faire un mouvement et que vous êtes un peu en retard. Donc c'est au moment où il sort, il est en train de se dire, ah ben du coup j'ai pas le droit, c'est autre chose. Il sort pas du panier, ouais, mais c'est pas ça son travail. D'accord? Plus vous êtes précis, plus lui comprend. Ok? Quand je reviens 2-3 fois et que je lui tiens le museau, hein, je peux pas le bloquer ou tout ça parce que j'appuie pas. À partir du moment où je lui tiens le museau, je lui montre bien. Il ne faut pas qu'il aboie. À nouveau, je recommence. Et là, l'aboiement est quand même beaucoup moins fort qu'au début. Maintenant, il mousse. D'accord? D'accord. Ça, c'est ça. Vous voyez que, au début, si je partais jusque vous, il aboyait. D'accord? Et ça ne coûte rien. Juste le fait de partir. Ensuite, je diminue. La difficulté, en fait, je vais moins loin, je commence au niveau de la table, j'attends pas, je reviens, je récompense, j'augmente, et ensuite je vais commencer à faire un petit peu de bruit, comme si c'était quelqu'un qui venait à la porte. À terme, je pourrais frapper à la porte en pleine, c'est juste un petit doucement. Donc on évolue. Et tout le temps qu'il se contente, je veux augmenter la difficulté. Comme ça qu'on va le bosser. Tout le temps qu'il est concentré,
je veux clac, 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 apporter encore, 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 encore. Et à un moment donné, je vais le voir, il va commencer à tourner la tête, à plus être attentif à moi. Là, il commence à se lâcher un peu le cerveau. Donc là, je vais simplement réviser. Voilà, je vais simplement réviser ce que je viens de faire. Okay. Et après, une fois qu'il va se coucher, que je vois que vraiment il met la tête de côté, machin, alors on n'ira pas plus loin parce qu'il a tellement concentré, il s'est tellement concentré, il sera fatigué. Et si j'insiste, la seule chose qu'il sait faire aujourd'hui, c'est d'abonner. Donc il va commencer. Et c'est pas trop bon. Donc il faut arriver au bon moment pour dire ok. Là, je peux encore, encore, ah, attention, là, et ben là, on révise, d'accord. Donc, pour lui, il n'a plus beaucoup à savoir ce qu'il faut qu'il fasse ou pas. Et après, on calme tout. Ça peut être pendant 10 minutes à quart d'heure, hein, juste, ce qui s'apprête vite, hein, les chiens. Et puis après, ben, on va à nouveau reprendre. Et quand je vais reprendre les exercices, je vais reprendre au niveau là où on était. C'est-à-dire au niveau de la porte d'entrée où j'ai frappé deux fois. D'accord ? Là, ça a été le plus haut niveau qu'il a eu aujourd'hui. Et là, il va voyer. Parce qu'il commençait la première fois à ne plus se concentrer. Donc, je commence tout de suite là et après, je vais redescendre ce que j'avais fait. Et là, il va se dire, ah ouais, non, mais là, je comprends pas. Ah ouais, mais si, ça, je l'ai vu, ça. Et du coup, on va revenir peut-être jusqu'à la table, peut-être à frapper une fois à la porte, et puis à nouveau je remonte, et à un moment donné je serai ici. Et du coup après, je vais augmenter la difficulté, il faudra qu'il reste au panier, je vais sortir, je vais frapper dehors, etc. On augmente à chaque fois la difficulté. Ce qui fait, quel est le travail pour lui? C'est concentration obligatoire. Ok, c'est ce qu'il veut. Ok, attente. Mais sur un autre exercice. En fait. Et là aussi, je travaille de loin de la porte. C'est-à-dire que quand il y aura quelqu'un qui va sonner ou qui va frapper à la porte, le top, ça fait qu'il faut accompagner. Ça fait le top. Mais d'accord. D'accord. Est-ce que ça vous paraît réalisable pour vous, cet exercice qu'on est en train de faire là? C'est possible. Ça. D'accord. Et bien ça fait partie des 5 fois 5 minutes par jour. Moi, je vais bien bosser aujourd'hui pour qu'il apprenne que bosser. Mais vous, au début, ça va être du travail pendant 5 minutes, mais c'est trop long en route. Vous êtes à deux, il y en a un qui dit, ok, ben on démarre à 9h10, 9h05, on arrête. Et on fait autre chose. Et puis, vous reprendrez plusieurs fois dans la journée. D'accord. Et vous allez voir que à terme, ça va devenir du jeu. Ça sera plus du travail. Je vais jouer avec lui, je vais l'amener au panier, je vais y balancer 2-3 prix en ligne, je vais repartir en courant, je vais revenir tout. Ok, là on va jouer. Mais au début, il faut absolument qu'il puisse se concentrer sur le travail. Et après, ça sera tellement naturel pour lui, c'est bon. Le travail est fait, on passe au jeu. D'accord ? Plus vous allez l'entraîner, plus c'est facile. Plus vous allez être précis dans le fait de revenir au bon moment et de récompenser au bon moment, il va comprendre, il comprend. Il risque de tenter 3, 4, 5 fois avec vous, ce qu'il ne ferait pas avec moi. Il a vu que ben, là, j'ai des gestes, c'est bien, je suis comme ça quand je suis mort. C'est très important parce que si vous faites ça, quand les chiens demandent un appel au jeu avec un autre chien, ils font quoi? Ils posent les deux pattes devant et les fesses sont en l'air. Okay. Quelle est ma position au cul? On est d'accord. Donc lui, comme il vous lit à 60% sur votre gestuelle, si je voulais discuter et que je suis comme ça, en fait je suis incohérent. Donc lui il dit quoi? Il dit, oh, il m'appelle pour jouer, mais je suis en train de me faire discuter, tu vois, c'est ça. La seule chose qu'il sait faire, c'est jouer, c'est la bonne.
suis né comme ça. Là, je suis impressionnant. Je ne veux pas. Là, je peux vous dire que même là, je suis au carrière avec. Comment est content de savoir, regarder les yeux. C'est hallucinant. Il est en train de se dire qu'est-ce qui va se passer. Okay. Rien que là, je travaille. Alors que je fais rien. Mais d'accord. Je discute avec vous. Je ne suis pas en train de travailler avec eux. Je reprends. À une autre récompense. Pourquoi je passe à une autre récompense? C'est qu'il commence à fatiguer. Donc s'il commence à fatiguer, je vais l'encourager à être calme. Et aussi, ne plus systématiquement donner le triangle. Je passe à autre chose, je sais qu'il aime les caresses, regardez dans l'état où il est. Une récompense caresse. C'est pas un cas. Je m'explique. Si vous regardez la télé, si d'à côté de vous, vous faites vos câlins, ça vous donne la vie, le temps des choses. On est d'accord, Mathieu ? On est d'accord. Une récompense, quand tu donnes une friandise, quand même, dans ta vie. Donc, la récompense caresse, c'est trop bien. Si c'est plus, il est en train de se déconcentrer. Et à nouveau, on va être obligé de le remettre dans le feu de l'action. Pour pouvoir travailler. On est d'accord. Si tout ça vous arrivez à amalgamer ces attitudes et pourquoi on travaille comme ça, vous allez voir le progrès qu'il va faire. On n'a rien à faire. On n'a rien à faire. C'est sur-attitude, c'est ok, tu grognes alors que tu as broyé, bah encore un peu, je vais t'aider pour vous même tout grogner. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas le droit d'aboyer à un moment donné. On va pouvoir jouer, on va pouvoir l'exciter, là il va pouvoir aboyer. Ok, puis à un moment donné, stop. D'accord. Donc là, je ne lui demande pas ce que j'ai fait tout à l'heure. Tout à l'heure, je suis parti, je lui ai tenu le museau. Ok, là, je ne fais plus. Parce que, en disant que le vrai, c'est une fois qu'il est le poignet. Vous n'allez pas à nouveau lui tenir le museau pour dire « Attends, il y a quelqu'un qui vient ?» Vous avez compris. On passe sur autre chose. D'accord ? Donc, j'augmente la quantité de mes bruits et la puissance de mes bruits. Je reviens à côté de lui, je ne le regarde pas. Si je le regarde, c'est un appel. Je reste au panier. Je reviens. Viens de là. Attends, 5 secondes, là c'est pas la peine de faire une minute. On le fait parce que je suis en train de vous expliquer. Mais c'est pas la peine d'attendre trop longtemps. 5 secondes, c'est bien. Et pourquoi une friandise? C'est que, comme je suis imprévisible, un coup c'est une caresse, un coup c'est une friandise, un coup c'est je change et c'est moi qui décide. Il s'attend à une friandise, ben, il a une caresse. Mais il aime bien. Du coup, je suis en train de passer leader. C'est moi qui décide mes récompenses, mais en tout cas, il est récompensé. Et il est récompensé au bon moment. D'accord ? Donc là, je recommence à nouveau l'exercice, sans le prévenir. Si à nouveau il raboie, je vais revenir, je vais recommencer, je vais tenir le niveau. Et pour l'instant, c'est ça. Je fais ma vie, en fait. D'accord ? Thank you.
On est d'accord qu'il y a eu le marqueur négatif au début, il y a eu le saccage au début. La lettre, elle est là. Pourquoi je travaillais déjà ici, c'est que je suis connu, et donc il se concentre sur mon travail. Dehors, il va se concentrer sur complètement autre chose. Là, il n'est déjà pas travaillé, dehors, il est travaillé. C'est tout à fait normal. Je lui donne pas de câlin, mais à partir du moment où il est contre moi, il est heureux. Et ça, ça suffit. Je me sers de ça. Là, il est apaisé. Il me touche la jambe. Échanger de récompense, c'est une récompense. Et quand je dis dans la femme, c'est laquelle je suis. Je ne fais pas partie des femmes. C'est un canard, mais c'est pas moi qui lui donne. Donc, oui, c'est moi qui lui donne. Je suis juste de le regarder, de le voir progresser et de faire ce qu'il a envie. Là, je vais le caresser et je vais partir directement à la porte d'entrée. Donc, comme si vous attendiez quelqu'un ou vous n'attendez pas, il y a quelqu'un qui va frapper. D'accord ? Et je vais lui interdire d'aboyer de la porte là-bas. Je ne vais pas revenir ici. Je reviendrai s'il insiste. Et s'il n'insiste pas, de là-bas, je vais lui interdire. Et s'il ne dit plus rien, je vais envoyer le prisonnier. Okay. J'augmente ma difficulté. Pour qu'ils prennent l'habitude de ne pas envoyer quelque chose, le fait d'être au panier, c'est parfait s'il y a du monde.
bien ça. Je m'aperçois que quand je le caresse et que j'arrête, regardez ses yeux. Ça c'est bien. Allez, t'as le droit tout ça. Ouais, bravo mon bébé. Allez, go. Est-ce que vous sentez capable de faire ça? C'est pas très compliqué, hein. Mais bon. À chaque fois qu'il aura mangé, faites-lui le coup de la gamelle. Il avance, top. Vous la relevez, vous dites rien. Simplement, vous la relevez. Et du coup, ce geste-là, c'est pour qu'il gérerait la ressource alimentaire. C'est pas lui. Okay. Le fait de poser et qu'il ne vienne pas, on clique ou pas? Alors, si vous n'avez pas de cliqueur, vous faites « Yes !» et vous donne. « Yes !» et vous donne. Si vous lui dites un « Ouais, c'est bien !» vous dites ça toute la journée. Par contre, un « Yes !» c'est vraiment quand il fait les choses bien, parce que jamais le « Yes !» il sort dans nos conversations en ligne tous les jours. Sauf si vous étiez anglais, mais d'accord, on est d'accord. Donc, il faut quelque chose de très précis et de différent par rapport à autre chose. Et vous voyez que c'est... En fait, on travaille à partir du moment où vous comprenez comment il fonctionne. Vous faites bien les exercices. La prochaine séance, il aura déjà évolué. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on a fait de spécial? Il est hyper calme. Il n'a pas peur de bien. Donc dehors, on reprendra des exercices comme ça. Mais à un moment donné, à nouveau, on sera un petit peu plus strict et ferme. Parce que au début de la balade, on pourrait lui faire ça. Et s'il y a des chiens, au début, il va déclencher ses obligés. Donc à nouveau, je vais reprendre mon marqueur négatif, plus une sanction, sûrement la satane. Et à terme, il va commencer à se calmer, il va apprendre à gérer ses émotions avec les autres chiens. D'accord ? Parce que là, il est en train d'apprendre à gérer son émotion. Donc ça sera tout à fait normal qu'on soit à nouveau plus strict et ferme devant. D'accord. Mais le résultat qu'on aura à terme, ça sera celui-là. Et comme
mieux se projeter, tu peux pas partir à Paris. Et du coup, comment il s'est rebellé, ils ont fait une grande maison. Et là, en fait, c'est la première. Une méthode positive, en comprenant positive, that alarm clock keeps going off. Looks like I'm gonna be late again. Jump in my car, thing won't start. Gonna have to call up a friend. It's another long day at a job I hate, and man, I just can't wait. So take a drink if you're working that 9 to 5. With some overtime just to get by. So take a drink if it's finally payday. You got some spare change and it's Friday and it feels so good. So good as you drive up to the bank. Take a drink if you're heading out or with your crew. Hold in a cold brew, cause you made it through. Raise your glass, make a toast and sing to another long.